Cecilia Pinto, professeure d'espagnol à l'ensemble scolaire La Saline et ADE Promo 2015. Cette année scolaire a bien commencé pour nous. Nos classes numériques ont fait la une du journal Aujourd'hui en France. Nous sommes aussi passés sur Canal+ et iTélé. Ce fut pour moi une autre occasion de montrer ce qu'il est possible de faire avec un iPad en classe. Conception de cartes mentales, séquence de cours sous forme d'iBooks avec widget intégré et partagé via iTunes U. L'iPad est aussi, à mon sens, un facilitateur de travail en autonomie et en collaboration. Constamment à la recherche de nouveautés pédagogiques, je suis quotidiennement les réseaux sociaux pour dénicher les dernières applications innovantes. Par exemple, Photospeak, expliqué par Alicia, élève de CM1. Il faut toucher l'écran et mettre les yeux au bon endroit, la bouche au bon endroit. Je clique sur enregistrer et je parle. Meliamo e-douche. Deux apps top pour motiver les élèves et les impliquer dans leur apprentissage, Decide Now et Kahoot. Grâce aux infinies possibilités de création de l'iPad, mes élèves m'épatent. Je prends plaisir à corriger chacune de leurs productions. iMovie, Adobe Voice, Pages, Keynote, Telagami. Excel Everything, Padlet, Pinterest, Picolage, Plastic, Craftcraft. El Tomate. Su nombre indígena es Tomate. Si me casaré, claro que sí. Récemment, j'ai commencé à créer des tutoriels pour mes collègues, et depuis peu, j'organise des apéros Educatech sur l'île. En espérant retrouver mes acolytes ADE à l'Institut de Berlin, je vous dis hasta pronto !